Salut tout le monde, c'est Francky de Coopération Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Remember Me. Alors dans l'épisode 2, qu'avions-nous fait? On était parti en mission pour détruire un barrage et inonder les quartiers riches. Et en passant, on a gentiment défoncé la gueule à... Ah putain, comment il s'appelle Kid Xmas. Ouais, à Noël. Voilà, on a cassé la gueule à Noël. Et donc du coup... Ouais, je ne vous avais pas laissé la cinématique la dernière fois, donc je vais vous la laisser. Continuez l'histoire. Ah, on a un espèce d'écran brouillé, alors je sais pas si c'est normal. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi? J'aurais pu quitter la ville. M'inventer une nouvelle vie, ailleurs. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro un. Était-ce dans ma nature? Avons-nous vraiment vengé les exclus du slum 404? Ou bien vont-ils souffrir davantage par ma faute? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation. Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis, l'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est, ni où il se cache. Bon, ben voilà un troisième épisode qui commence. Haute tension, sortie de base. C'est-à-dire sortie basse. Et non, en fait, c'est mon téléviseur qui avait un peu de mal, et du coup, je voyais l'écran embrouillé. Et je commençais déjà à me dire, merde, si ça commence comme ça... Mais non, ça va. Alors, on avait eu le spammer. Alors, le spammer, maintenant, on peut l'utiliser en combat. On s'utilise déjà, ouais. Alors, au moins, ça règle le problème, on peut tout simplement pas attaquer pour l'instant. Bon, on va se contenter de... Ok, Nilin. Tommy va t'aider à t'infiltrer dans la Bastille. De monter et de lui mater le boule. J'ai pas pu faire ça ce matin quand j'y étais. Non, il fallait d'abord assécher les sous-sols du slum 404. Je vois que tu avais tout prévu. Ah là, ça y est. Alors du coup, comment est-ce qu'on... Ça par contre ça va faire chier. En gros je vous explique. Lorsque je reçois un message, mon téléviseur fait un bruit immonde. On n'a pas encore trouvé comment le couper, donc du coup bah j'essaierai d'arrêter de bouger et de couper au montage un maximum le bruit si jamais on se fait emmerder par des amis. Alors, les scrims sont des parasites. Ah oui, ça, c'est des espèces de. Les choses ont mal tourné ici. De petits trucs qu'il faut retrouver et déglinguer en gros. Bah. Localiser et tirer à l'or dessus et le spammer. Bah, ah bah, c'est peut-être ça. Ah, fallait spammer, d'accord. Bah. Ça fait toujours autant rire, hein, spammer, spammer. Ah. Attendez, qu'est-ce que c'est? Carrosserie et peinture. Ah bah voilà. Alors, une histoire de Néo-Paris, super. Qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Ah, on a vu des caca courir. Sans doute un ennemi. Alors, ça c'est quoi? Ok, c'est une map à retrouver. C'est pareil, hein, les maps, je vous l'ai déjà dit, mais...
ça sera vraiment si on tombe dessus quoi. J'essaierai de faire un peu d'effort pour les trouver, mais sans plus. Oula, ah, un nouveau combo. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, splendide. Et on n'a pas assez de, on n'a rien pour le porter, tout combo. On a rien du tout. Je ne peux pas le mettre. Alors à quoi ça sert qu'ils me disent qu'il y a un combo? Oh, jusque là c'est pas facile, c'est pas trop dur, c'est des hyper. Ah bon, voilà, c'est pas comme les soldats du début. Enfin, du début de l'épisode précédent. Au moins, il faut pas chier. Allez, plus vite, baisse ta tête. Ah, merde, je peux pas. Putain, à mon avis, il y a un truc là. C'est bizarre. C'est bizarre qu'ils mettent un chemin comme ça. Non. Non, bah, ok. Bon, bah, il y avait rien. Oula, oula, attention, 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 on va pas dedans. Souviens de l'épisode 1. Pas du tout. Wow, wow. Ah oui, d'accord. Putain, là, l'électricité, c'est mauvais pour la santé. Fuba. Puis elle a pas d'indication. Ah. Fuite d'huile. Ah, ça marque les problèmes qu'ils ont. Toi, capteur, capteur optique hors d'usage. Il est aveugle, quoi. Ah, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Je veux dire, c'est pas sympa pour eux, mais. Je veux dire. Il marque le problème. J'ai l'impression de faire demi-tour. Le mec, il a escaladé tranquille. On est dans les quartiers chauds de Paris là, dites-moi. Oh là là. Oh bah splendide, je me fais agresser en arrière. Eh, hey, par toi. Tiens, un problème. Oh putain, c'est un gros là. D'accord. Ouais bah oui bah oui, je sais. Bon lui on va le déglinguer parce qu'il me faisait chier. Hein, espèce de petit campeur. Ouais, on va juste les déglinguer. Un par un. Oh putain, le mec, je l'ai pas vu arriver. Il veut pas me laisser tranquille, le gros. Hein. Ils m'en veulent tous. Non, non. Pas toi non plus. Non. Alors en ce moment je vais faire que d'esquiver et de spammer X. J'ai pas le temps de faire le combo un peu plus, on est construit. Quoi, je peux pas lancer. Ah, une clé. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, on doit choisir quoi débloquer. Tac, tac. Alors, lequel on va ouvrir? Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un Y, mais on n'a pas de réduction de cooldown. Donc, du coup, on va ouvrir celui-là. Ah, il n'est pas disponible. Très bien.
Bah, dans ce cas, on va aller le chercher nous-mêmes. Ah, d'accord, on a que les deux là qu'on peut... Ah, on a choix entre un X ou un Y. Bah, du coup, on s'en fout, on veut un Y, nous. Pour continuer le combo. Voilà. Et le prochain... Ah, bah, j'ai un X. Donc, du coup, je peux le mettre là. Et il va nous manquer encore deux Y. Voilà. Oh, putain, la fenêtre. Oh, allez, doublé. Non. Non plus. Et le overload. Voilà. Casse pour les couilles celui-là. Attendez, c'était comment? Oh, j'ai cru que j'allais passer de l'autre côté. Non, c'est bon. J'ai cru que j'allais sauter directement de l'autre côté sans me retourner. Enfin, sans faire ce que je viens de faire, du coup. Non, mais je monte. Ah oui, d'accord, faut lâcher. Hop là. On remonte. Voilà. Jax. Cette pub. Je l'ai déjà entendu. C'est bon signe, ça, Frangine. Ta mémoire profonde a résisté au traitement. Attendez, j'ai déjà entendu cette pub. C'est le nouveau Pokémon de Lune et Soleil, enfin celui qu'on attend depuis longtemps, t'as toujours pas compris. Même ça, t'as réussi à l'oublier. Wow, ça j'aime bien par contre, les petits sauts là comme ça, c'était sympa. Mais... Ah oui, là, il me semble que c'était... Ah oui, je me disais, il y allait avoir du monde. Ah, je me rappelle, à la sortie du jeu, avoir joué à une démo dans un carrefour. Le bon gros flashback de merde. Comment as-tu découvert le jeu, Franck? Bah, tout simplement, il y avait une démo dans un carrefour, et du coup, bah, je l'ai joué. Et, bah, c'est tout. Sinon, je savais pas du tout, j'avais jamais su que ça existait. Donc du coup, je tiens à remercier la marque Carrefour. Le mec, il fait pas du tout du... à la limite du sponsor pour Carrefour. Par contre, là, j'aime pas trop qu'on voit pas ce que je fais. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Bah, il va quoi? Ah, alors c'est quoi? Chaîne à effet de précède qui le précède dans le combo. Attends. La prochaine, je suis... Ah d'accord, en fait c'est refait, c'est le joker, en fait c'est un joker, ça permet de... D'accord, ça en fait, les bleus, ça a le même effet que le dernier qu'on a fait, donc c'est-à-dire que si je le fous sur le Y là, et bah, attendez, le bleu là, ça sera un rouge, vu que le dernier avant c'est un rouge. Voilà, et donc si je remets un bleu après, et bah ça sera un rouge vu que le dernier bleu est devenu rouge. C'est pas compliqué. En fait, c'est bien quand t'as, quand il te manque un... Par exemple, là, il me fallait un... En supposant qu'il me faille un Y rouge, j'en avais pas. Comme j'ai un Y bleu, je le mets pour remplacer. C'est vraiment un petit aspect pratique. Oh, putain, putain. Voilà, comme ça, en fait. Mais comme il est pas complet, bah, c'est un peu... Super. Non. Oula, raté. Et non, 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 tu me... Ah, oh, putain, j'ai pas vu. Ah oui, c'est bien parce que j'ai oublié de vous le dire, ils se tapent entre eux les ennemis. Nope. Ram.
Non. Mais du coup, avec mon gros combo, là, je peux en faire bien mal. Si je m'en souviens... Non. Voilà, maintenant je reviens. Tac. 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 Non. C'est comme ça qu'on lui a de la gueule, monsieur. C'est comme ça qu'on lui a de la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, il fallait aller où? Il fallait aller où? Il fallait aller où? Je crois que c'est par là. Non, c'est pas par là. Je crois que c'est de là que je viens, en fait. Je sais pas pourquoi je me vois bien galérer par là, en fait. Ah bah voilà. Il suffisait de pas trop chercher, non? Hop là. Il suffisait juste de faire descendre l'échelle. Hop. Hop. Oh la vache, les paysages, mais ils sont juste magnifiques, quoi. Y a pas à dire. Les paysages sont beaux. Voilà, c'est pas dur. Attendez. Peut-être que... Non, j'ai jamais besoin de soins, moi. Dans le jeu, je me souviens pas avoir vraiment galéré au point de devoir m'arrêter à un stop pour prendre des soins. Mylène, je t'attends au Leaking Brain. Dépêche-toi si tu veux que je te montre comment trouver Johnny. Johnny? Johnny Grintis. Le croque-mitaine du Slum 404. Le seul qui se souvienne des chemins cachés menant à la Bastille. Du moins, c'est ce que dit Edge. D'accord, je me dépêche. Eh ben très bien, on va retrouver notre ami Johnny. Johnny. Putain, et jamais dans un seul épisode, j'arriverai à dire son nom correctement. Johnny. Ah bah voilà, je me disais bien que c'était trop beau pour qu'il y ait rien. Oula, 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 on saute, on s'en bat les couilles que ça n'a pas eu le temps de... Ok, c'est bon. Hop là. D'accord, ça servait juste à faire lever le panneau. Remarque, c'était marqué lever panneau. Ah. Que va-t-il se passer? Va-t-on se faire agresser? Ah putain, dis-moi que c'est... Dis-moi que c'est des ennemis... Oh putain, c'est des ennemis qui sont invisibles. Tu fais l'été à la lumière pour les fumer, ceux-là. Qu'est-ce que c'était? Tiens, voilà. Et ça, ça va être les combats qui sont casse-couilles. En fait, c'est vraiment... On a décidé de casser les couilles, mais maintenant, en fait. Putain, ça va être casse-couille, c'est avec les spots. Putain, c'est vraiment le combat là que je me souviens parce qu'il m'a, il m'a vraiment marqué parce qu'il m'a cassé les couilles. Voilà, les mecs qui deviennent invisibles, c'est vraiment pour, à la limite du relou. Voilà, les gros plans sur le... Et voilà, j'ai le temps de... Eh non mais vas-y, laisse-moi 2 minutes. Lom, je te lâche la gueule. Alors toi par contre mon petit, tu vas vraiment regretter de m'avoir fait ça. Voilà. Tommy, je viens d'être attaqué par des leapers. Effrayant, ils disparaissent à volonté. Voilà. Maintenant on se casse. Ça fait bien longtemps. Oup, 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 j'ai cru que j'avais pas sauté assez loin. Je me dépêche de te rejoindre. D'ici là, ouvre bien les yeux. Oh putain, il faut remonter avec l'électricité. Voilà, on va attendre qu'elle revienne. Cette réponse existe enfin. Si elle revient. Lave-la, c'est bon.
Ah voilà, on arrive au Leaking Brain. Brain, pardon. Oh. Oh putain. Ça va, il y avait la bâche pour nous rattraper vaguement. Ah, du coup, on s'est pété le cul. Serre les dents, Niline. Ah, du coup, on s'est bien pété le cul. Qu'est-ce qui se passe? Je boite? Ah, je boite. Ah, ça va mieux. Ah ouais, ça... Oh, la grande hélice. Je me demande si on pouvait faire quelque chose avec l'hélice, là. Je crois qu'on pouvait... On pouvait tuer des gens dedans. Enfin, je suis pas... Dans un jeu, je me souviens avoir vu une hélice et avoir balancé des gens dedans, donc... Oh là là, vous m'aurez pourvu. Ah putain, il me fait victime. Allons du tout. Ah oh, putain, l'enfoiré. Le mec il vient déglinguer le développeur. Ah oui, c'est... Alors ça sert à quoi ça? Paralyse tous les ennemis et révèle la présence. Ok, ça c'est bien ça. Et ben on va le faire. Oh putain, le mec il a décidé de me faire chier. Je l'ai pas encore, putain, il y a encore les cooldowns. Et là, je regrette pas d'avoir foutu en premier la réduction de cooldown, d'avoir foutu en premier dans le combo, parce que là, je vais vraiment besoin. Allez, on va pouvoir lui mettre la gueule à lui, là. C'est parti. Où t'es? T'étais là. Et il fallait encore quelques coups quand même pour qu'il lâche. Oh, il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres, très bien. Ils ont eu leur compte.